Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Spareka. Nous sommes au bord de la piscine, on va aller faire l'hivernage de la piscine avec Pierrick. Pierrick qui est de chez Piscine Gasnier à Mignaloux-Beauvoir, qui vient faire l'hivernage de cette piscine et qui va nous expliquer un petit peu dans le détail comment ça se passe et ce qu'on fait pour hiverner une piscine. Voilà, on se retrouve au bord de la piscine, à tout de suite. Donc là, on retourne dans le local pour pouvoir mettre les produits dans le bassin. Donc là, on est à la pompe comme d'habitude. Là, par contre, on va se mettre juste en circulation. C'est-à-dire, on passe, on aspire par la pompe et on retourne directement sur l'air foulement, sans passer par le filtre, parce que lui, il est propre. D'accord. Donc voilà. Et là, on remet en route et on va mettre les produits dans le bassin. C'est juste pour que ça les mélange un petit peu, 5 minutes, et après on arrête la pompe et on va tout mélanger. Ça, c'est un bidon d'hivernage. Un petit algicide voilà, pour éviter que les petites algues prolifèrent dans le bassin. Et ça, c'est juste du chlore liquide. Là, je vais en mettre 10 litres dans le bassin. C'est pour tuer les petites algues qu'il pourrait y avoir dans le bassin pour qu'il y ait vraiment tout soit mort pour la fermeture. Et puis voilà, c'est tout. Ok. Et là, c'est carrément un bidon de. Le bidon complet ? Non, là, je mets 10 litres. Le bidon fait 20 litres comme la moitié. Ça c'est juste pour tuer les petites algues qui pourraient proliférer dans le bassin. Vu qu'il fait encore beau en ce moment et voilà qu'il y a encore des températures assez chaudes de la journée. Donc. Et là on laisse juste brasser 5 minutes et puis voilà. Ok. Et après on va refermer le volet et mettre le filtre.